C'était il y a 3 semaines. C'est la foire, ce truc. Ce rideau, c'est n'importe quoi. Du coup, là, j'ai plein de triggers, plein de trucs à vous montrer, à vous partager. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'espère que vous allez bien. Depuis le temps, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. Parce que la vidéo Home Tour, je l'ai tournée pendant mes vacances d'été. Donc, pour vous dire, ça fait quand même un mois que la vidéo est tournée. Et j'ai voulu prendre mon temps sur le montage. Et je suis plutôt fière de mon montage. Et aussi j'ai été beaucoup pris par des montages de cette chaîne. Donc je vous mets la chaîne ici. Allez, s'il vous plaît, allez voir ces vidéos. C'est toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. C'est moi qui les monte. Si vous aimez les séries, les films, les jeux vidéo, les trucs comme ça, franchement vous allez kiffer. Donc allez-y, allez voir. Mettez un petit commentaire pour sa vidéo, pour le montage, tout ce que vous voulez. Allez-y, abonnez-vous si ça vous plaît. Et donc j'ai été beaucoup pris par les montages. Et du coup j'avais moins de temps pour moi. Vraiment je passais journée sur du montage. Et je peux pas dire que ça me plaisait pas, parce qu'au contraire, vraiment j'étais dans mon environnement. Donc j'adore faire. Mais du coup, mon rythme de mes journées était vraiment... Je me réveillais, je prenais mon petit déj, j'allumais mon ordi, je faisais du montage, j'allais manger un petit truc le midi, je retournais sur le montage, le soir j'allais manger, et je retournais sur le montage jusqu'à les dodos. Donc voilà. Oh, j'ai dit, c'est passé d'autres choses, j'ai commencé à faire des montages pour une association de Pokémon qui s'appelle la Poké Équipe. Je vous mets tout ici. La Poké Équipe. Donc c'est pareil, je fais les montages de leurs vidéos. Et c'est super cool de découvrir un autre type de montage aussi. Ça qui est bien. Et du coup, grâce à cette chaîne, du coup, Poké Équipe. Donc c'est une association située sur Pau. Allez-y si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner. Que vous soyez au Pau. Je sais plus parler. Que vous soyez à Pau ou non.
Il s'avère que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, les 11 cartes que j'ai achetées en brocante, heureusement, pour pas très cher, sont toutes fausses. Du coup, je peux les garder parce qu'elles sont belles en soi, mais elles valent rien du tout, vraiment, c'est des fausses cartes et ça me saoule un peu. Sinon, mis à part les cartes Pokémon, j'ai pas oublié, je pense que vous l'attendez, peut-être que vous attendez cette vidéo. Du coup, je disais, j'en avais peut-être parlé dans une précédente vidéo ASMR de mon opération du nez que j'avais eue au mois de juillet. Eh bien, je vais vous faire une vidéo, je n'ai pas oublié de la faire, je vais vous la faire. Je pense que ce sera du coup la prochaine vidéo que je vais faire après celle-là. Attendez, parce que je suis en train de couper un fil là. Je pense que ça va être la prochaine vidéo. Je vais vous parler des rythmes de vidéos que j'ai envie de prendre. Parce que je peux le dire, j'ai beaucoup plus de temps. Pardon. Pour moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est privé. Mais voilà. Et pour le rythme des vidéos, du coup, ça sera. Je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer de tourner des vidéos en avance, de tourner plusieurs la journée par exemple, et de vous poster une vidéo par jour, tous les jours, à 21h. Alors, par rapport à l'heure, dites-moi, je vais mettre un petit message, je vais mettre un petit message tout de suite dans l'onglet post. Voilà. Donc dites-le moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou dans l'onglet post, du coup le dernier post que je viens juste de faire. Voilà, il est posté, je viens juste de le faire. À me dire. Ensuite, on va revenir aux cartes, pas aux cartes Pokémon, aux cartes Lorcana. J'ai, du coup, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de doubles. Donc, j'ai tout ça en double. Donc, je les ai partagés. Normalement, elles sont triées. Donc, là, normalement, là, il y a les. C'est quelle.
Pas mal, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux casquettes, franchement. Super cool. De quoi j'aimerais vous parler d'autre aussi? Un ami qui m'a parlé d'un livre, donc vous connaissez peut-être la chaîne YouTube de Yvan Arbez ASMR, un ASMR artiste avec qui j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Et du coup, il m'a parlé d'un livre par message que j'ai acheté, que j'ai commandé, qui s'appelle Le piège du bonheur. Qui seront diffusés sur
Donc à chaque fois dans la vidéo, il y aura 10 ou 12 vaisseaux, ça dépend le nombre, sur... vous verrez, sur quelque chose, sur... C'est galère.